Et yo, salut à tous, c'est Keys. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus avec le petit projet atypique. Donc j'espère que ceci, clairement, vous plaira. Moi, je peux vous le dire, cette aventure me hype de fou. Je prends un réel plaisir à jouer dessus et clairement, j'ai hâte de vous y partager. Avant de commencer tout ça, je vous invite comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et si vous avez le temps, à faire de même avec la chaîne secondaire que je mettrai dans les commentaires où il y aura toutes les rediffusions, de l'aventure. Donc n'hésitez pas à aller checker. Donc pour tous ceux qui se sont demandé quel compo j'allais jouer, qui ne peuvent pas suivre les streams ou les rediffusions, qui regardent seulement les vidéos YouTube, je joue cette composition, Xelor, Steamer, Heliotrope, Ekaflip, Upermage et Roublard. J'avais call l'Hélio et le Steamer, et au final, du coup, voici les 4 autres personnages que je joue. Je trouve que c'est quand même pas mal atypique. Certes, il y a pas mal de gens qui m'ont fait peut-être un petit peu la remarque par rapport à l'Hélio, mais en général, comme vous voyez, un Heliotrope, c'est dans la compo Panda et Niyop. Là, clairement, il n'y a pas ces 3 classes. Donc, un Hélio dans cette composition-là, clairement, c'est très atypique. On va pas se mentir, c'est beau comme tout. J'ai choisi le Xelorp car c'est une classe que je kiffe. Vraiment fantastique. Le Steam également, l'Hélio aussi, l'Ekaflip. J'avais hésité entre Nutruff et Ekaflip. Du coup, j'ai choisi Eka car c'est une classe que j'ai très peu joué depuis toutes les refontes qu'il a subies. L'Upermage, c'est une classe adorable qui fait de très très gros dommages et clairement j'ai pu goûter ça. Vraiment, c'est insane. Je vais vous montrer son stuff en parallèle. Vraiment, ça met des patates de l'espace. C'est le mec de la team depuis le level 10 qui tape clairement le plus. C'est n'importe quoi, c'est dommage. Et pour finir du coup, un petit Roublard qui joue actuellement full agi. Roublard car c'est une classe que je voulais jouer depuis pas mal de temps. Et dans une team atypique, clairement Roublard, ça passait bien. Après, dans une team de 6, j'ai souvent dit aux gens, ne jouez pas Roublard ou quoi, c'est pas foufou, gameplay lent. Moi je vous cache pas que je jouerai quand même un petit peu avec les bombes. Je pense surtout en dimension, mais pour les donjons random, il y a de très grandes chances que j'innove et que je joue un Zobal de crit ou quoi que ce soit, un Roublard de crit ou quoi que ce soit, enfin vous verrez. Ça risque d'être assez drôle à faire. Donc le petit Upermage là, il joue un stuff full flotte. Les stuffs c'est du full basique, simple, efficace, les potes. Hein, je me suis pas embêté, c'est de la blop indigo, rennet, coco, vous connaissez les bails. Avec une caracoiffe et une capuglu, histoire de jouer avec un 10 PA 4 PM. Il y a seulement les personnages R où je suis resté en Toadi Captofufu. Donc du coup je n'ai pas de 10 PA mais je suis en 8 PA, mais j'ai la blinde de stats dans l'élément agi vraiment. Niveau 35 je crois que j'avais genre 700 d'agilité, niveau 50 j'avais genre 800, enfin totalement what the fuck. J'ai full parchotage sur tous les personnages comme les gens pouvaient se le douter. Familier bien surmonté, j'avais des boucliers exo plus maintenant car du coup je joue avec un Gelano PA PM. Je peux vous faire un petit check-up vite fait sur l'Axelor. Hein, niveau 71, 835 d'agilité. Après, bon, niveau 50 et 71, c'est la même chose. Hein. Juste, voilà, on met plus de points de carac. Et c'est tout. Et ce que je voulais vous dire aussi, du coup, par rapport au parcours. Là, comme vous le voyez, je suis niveau 71. Ça fait actuellement 3 jours que je joue la team. Et je peux vous dire que c'est incroyablement kiffant. Vraiment, j'adore. Déjà, parce que bah je... Je savais pas que je surfe sur le jeu, mais la team est incroyable. Vraiment, j'ai des très très bonnes surprises. Le combo Hélio-Upermage, vraiment, ça fait les dingueries. Si vous avez le temps de checker les rediffusions, elle va pas pop ce soir, mais elle popera prochainement. En gros, j'ai fait le donjon Chafer, qui est ici. J'ai commencé à faire les petits succès monstres au donjon. De toute façon, vous connaissez les bails, hein, classique, simple, efficace, tour du monde. Et en gros, le petit combo assez fun, portail into sort haut. Le Chafé Ronin T1, je l'ai explosé juste avec le permage. Il n'y a pas besoin d'autres personnages. Portail, elle a tapé genre du 300-300 et un petit sort et il est mort. Du coup, ça m'a fait premier validé direct. Une dinguerie, vraiment, j'adore. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à très haut niveau. Enfin, très haut niveau 150. Même déjà niveau 100-110, ça devrait être assez fun. Mais 150, je pense que ça va être futuriste. Vraiment, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs de dingue. Donc, grosso modo, ces 3 derniers jours, ce que j'ai fait, c'est tout simplement les quêtes du Dofus argenté. Directement, j'ai commencé par ça, j'ai créé les personnages, je les ai parchotés, etc. J'ai donné full ressources ou pas, il m'en manquait plein, j'ai voulu suivre Dofus pour nous, mais c'était pas à jour. Et on a fait le Dofus argenté, donc Incarnable, c'était le premier jour, j'ai commencé un petit peu à Strub pendant le premier jour, le deuxième jour aussi, et je l'ai même fini. Et du coup, pour le troisième jour, j'ai pu me faire enfin kiffer, profiter de la team, car j'étais pas mal restreint dans Strub avant.
et j'ai pu faire les donjons 1,50. J'ai vraiment fait tous les donjons aujourd'hui. C'était cool. De toute façon, en ce moment, je stream à fond avec la team atypique. Donc, je me régale. D'ailleurs, jeudi, je ferai un stream de 10h. Je commencerai sûrement vers 9h, 9h30 du matin jusqu'à 19h, 19h30. N'hésitez pas à passer. Je ferai gagner 50 millions de kama sur le serveur durant ce stream. Donc, 10 millions x 5 suite à la réussite de mon petit permis. Donc, je suis assez content. Donc, je vous ferai gagner 50 millions de kama comme j'avais call. Donc, n'hésitez pas à passer. De toute façon, vous aurez le lien dans la chaîne, dans la description comme d'habitude, ou les commentaires. Ça risque d'être vachement cool. Et même si vous souhaitez suivre l'aventure, clairement, ça peut que vous régaler. Prochainement, ce que je vais faire, là j'ai fini argenté, je fais les quêtes tour du monde, j'en suis rendu à faire Taleblob Coco. Donc après les quêtes avec les blobs royal, il y a le donjon Cannibald. J'ai commencé les quêtes du 2 Coco, j'ai fait la toute première. Là, on va me demander d'aller voir le gentil organisateur Cannibald. Pareil ici avec Taleboul, donc c'est parfait, c'est merveilleux. Et après le Cannibald, il y a quoi dans le donjon tour du monde? Il y a le Wawabit. Donc on va faire les quêtes, mais où sont les Dofus? D'ailleurs, il faut savoir, comme je vous avais dit, que sur la chaîne secondaire ici présent, je mets toutes les rediffusions de mes aventures. Là, actuellement, je suis en train de mettre celle de la team atypique. J'ai commencé à mettre les quêtes du Dofus argenté, donc je vais faire ça avec chaque Dofus. Kawotte, turquoise, émeraude, pourpre, et bref, tout le merdier, comme vous connaissez si bien. Et après, le reste de l'aventure, peut-être que je ferai une playlist où je mettrai toute l'aventure de A à Z, mais en tout cas, si vous souhaitez plus tard faire les Dofus, sachez qu'il y aura toutes les quêtes des Dofus de A à Z logiquement, donc n'hésitez pas à vous abonner dessus, clairement ça fait plaisir. D'ailleurs, on a atteint les plus de 1000 abonnés, donc merci à vous tous. Du coup, je peux la monétiser et vous gérer par rapport à ça. Ensuite, ce que je voulais dire par rapport à la composition, je dois pas vous cacher qu'au début j'étais assez mécontent de la classe Ekaflip. Malheureusement, la classe Ekaflip à très HL est, enfin malheureusement, heureusement plutôt, à très haut niveau elle est vachement forte, mais à bas niveau clairement elle pue. Vraiment, elle est très 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 mauvaise, hein. Je pensais que ça allait être une dinguerie, mais au final, pas du tout. Très très mécontent de ceci. Mais par chance, là, je suis arrivé dans le level vachement cool, où je commence à obtenir des sorts vachement intéressants. Griffes joueuses et félinations. Donc là, actuellement, les cas jouaient en mode full terre, avec le mécrabe. Et il va passer maintenant, du coup, full flotte. Je ferai son stuff et vous verrez son changement prochainement. Je vais le passer en blob indigo avec l'ARES et tout le merdier. Il faut juste que je prenne un level, mais j'ai pas eu le temps. Car il faut que je redémarre mon launcher, etc. Donc j'ai un peu zappé. Mais en gros, voici ce qui s'est passé. Les autres stuff, les autres stuff, si vous souhaitez les voir de A à Z, ils vont pop sur la chaîne secondaire. Donc n'hésitez pas à passer. Mais en tout cas, vraiment, je suis très 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 satisfait de l'avancée de la team. L'émeraude et le pourpre devraient se faire très facilement. Clairement, je vais pas rush l'aventure. Mais vu que je prends énormément de plaisir à jouer avec les petits moldus, bah clairement je fais que de jouer avec et du coup bah j'avance pas mal vite, hein. Vraiment niveau 71 c'est pas mal du tout en ayant fait l'argenté, et prochainement surtout comme je vous le dis il y aura le Kawotte, donc il y a de grandes chances que je passe 80 et 80 nouveaux stuff, donc plus de facilité à gérer les donjons et tout ce qui va avec. Et ça clairement les boys, c'est le feu. D'ailleurs, en parlant de ça, de feu, ça n'a rien à voir, mais ma guild, comme je vous ai call, recrute. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, bah n'hésitez pas à MP Lancia. Clairement, c'est la petite super mage, c'est le pseudo le plus simple, je pense. Donc, n'hésitez pas à me MP, je meurs pas, on est 71 dedans. Si des joueurs souhaitent reprendre l'aventure, commencer sur Pandore ou quoi que ce soit, clairement, n'hésitez pas à me MP, je me ferai une joie de vous inviter. Que ce soit en stream ou pas, n'hésitez pas à me MP, vraiment, je suis pas méchant, donc je vous inviterai. Et clairement, bah il va où ce qui s'est passé ces trois derniers jours. Je pense pas avoir oublié grand chose, j'ai dit le principal, après tout ce qui est résumé. Encore plus et détaillé, c'est sur la chaîne secondaire en général. Donc n'hésitez pas à y passer. Bref, j'espère vous revoir en stream, en vidéo et tout ce qui va avec. Et sur ce, de gros bisous et à très bientôt. Bye!